messieurs-dames, nous sommes de retour sur notre actual play, du coup, Donjons et Dragons. Nous sommes dans le cellier de l'abbaye Saint-Corneille. Donc on remercie encore une fois, bien entendu, la direction des bibliothèques et son équipe, ainsi que la ville de Compiègne et le cabinet du maire qui ont autorisé ce tournage. Donc, messieurs-dames, nos aventuriers étaient dans la tombe des Aura. Ils avaient réussi à pénétrer dans la tombe, malgré deux fausses portes qui ont failli causer quelques ennuis, dirons-nous. Et ils ont été rejoints par le cinquième aventurier, qui est donc Julien, et qui va jouer, comme je le disais tout à l'heure, un galop. Sur ce, messieurs, vous étiez au niveau de la tombe. Vous aviez du coup trouvé une espèce de porte, enfin de porte en plâtre, que vous aviez éclaté, puis une autre porte derrière, enfin c'est une véritable porte, où vous étiez tombé sur une gargouille que vous avez affrontée, vous avez vaincu cette gargouille, et cette gargouille avait donc eh bien, un collier sur elle, avec des perles, des bijoux, enfin énormément de pierres précieuses. Et il y avait une petite énigme à l'intérieur qui disait du coup, de haut en bas tu chercheras l'or, pour entendre l'histoire non dite, emprunte l'arche du bout, pour aller voir ailleurs. Je vous rappelle donc que vous aviez donc ce petit chemin là qui avait l'air de mener au bout où il y avait une grande tête de diable, taille humaine, avec la bouche ouverte, et un espèce de... Ouais, de... Enfin, en tout cas, une arche, où il y avait une espèce de voile, et où vous aviez des lumières, donc en bas à gauche, une lumière jaune, à droite, une lumière orangée, et en haut, une lumière bleue, au niveau de l'arche. Je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous faites? Sachant que dans la pièce où vous êtes, je vais dégager la gargouille, dans la pièce où vous êtes, vous remarquez que les espèces de murs que tu avais remarqué qui étaient un petit peu étranges, en fait, il s'agit... deux portes, plus tu t'en approches, plus tu te rends compte qu'en fait, effectivement, ce sont des portes, mais qui ont l'air codées. T'as l'air d'avoir un truc pour pouvoir les ouvrir, mais tu sais pas trop ce qui est de quoi, qu'est-ce que tu dois faire. Oh, s'il y a de la couleur de haut en bas, tu chercheras l'or. Yes. Est-ce qu'il y a de la couleur sur les portes? Il n'y a pas de couleur sur les portes. Vous avez vraiment une porte ici, une porte là. Je peux faire un jet d'investigation sur les portes? Tu peux faire un jet d'investigation sur les portes, si tu veux. 30. Donc en fait, tu te rends compte que juste en fait, faut juste lever la poignée pour que ça s'ouvre. En fait, c'est un, au début, tu essaies de tourner vers le bas, mais en fait, tu te rends compte que juste faut tourner vers le haut, que c'est pas piégé. De bas vers le haut. De bas en haut, tu chercheras alors. Après, toi, tu avais détecté de la magie, on avait vu que c'était pas le collier, alors je sais pas, c'était la gargouille. C'était la gargouille. Ah, là, tu sens plus de magie. Ouais, non, enfin, tu sens la magie qui émane du coup, bah, quand je t'ai dit, de la statue. Et du voile, mais... Ok, il y a des signes distinctifs sur les portes, quelque chose qui les distingue les unes. Elles sont identiques. Elles sont toutes pareilles, ok. Elles sont en quelle matière? C'est des portes en fer. Et là, il a investigué sur les deux. Oui, sur les deux. Les deux, en fait, s'ouvrent... Et les deux, elles s'ouvrent vers le haut comme ça? Ouais. Ok. Mais il n'y a pas de piège? Il n'y a pas de piège sur la porte. Bah, ouvre. Je vais en deux. Bah, limite, si tu me dis que c'est ouvert, plutôt le guerrier qui ouvre et qui passe. Moi, je me mets dans le couloir, en cas où. Ça t'embête, Tom, de passer devant? Non. Alors, quelle porte tu ouvres? Celle qui est sur ta droite ou celle qui est sur ta gauche? Celle qui est sur la droite. La gauche, celle de la gauche, elle s'est emmenée sur une pièce. C'est une porte qu'il y a au milieu, là? Dans le couloir? Non, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Ah oui, d'accord, en tant que moi. Toujours, faisons toujours à gauche pour rien avoir dans notre dos, quoi. Ouais, effectivement, c'est vrai. Oui, ça me paraît. T'ouvres cette porte. C'est ok? Ouais, c'est parti. Donc, t'arrives ici, et effectivement, tu te rends compte que là, il y a un mur qui est ouvert. D'accord. Par contre, comment j'ai de perception? J'ai pas détecté de magie quand il ouvre la porte. Non. Par contre, t'avances pas surtout pas. C'est pareil, c'est 10 minutes après ta détection de magie. Donc au bout d'un moment. 17 en perception, ça va s'arrêter. Faut me dire qu'on va terminer. 7, ouais. Donc 17, 24, c'est 24. En fait, t'ouvres, tu vois donc cette espèce de mur qui est ouvert. Et en fait, tu vois qu'il y a des trous un peu partout dans les murs. D'accord. Et tu vois, t'as fait un beau balafis. Il y a des petites pointes qui sortent des trous. Ça pue le piège. N'avancez pas, quoi. N'avance pas. Est-ce que je peux voir, faire un jet de perception
pour voir si comment désactiver ce piège, si c'est possible. Ta réussite, je vais déjà te le dire. En fait, tu vois que vraiment, tout le sol. Oui, en plus, oui, j'ai fait réussite critique, j'ai fait 17. Ça marche que tu fais jet d'attaque. Ouais, c'est sûr. Mais t'as fait une très belle réussite. En fait, tu vois que tout le sol, toutes les dalles, d'accord. Dès que tu mets le pied dedans, c'est mort. Donc il faudrait pouvoir voler. Je peux aller voir en volant. Il n'y a pas un mécanisme ouais. pour désactiver ça. Et du ça, coup, tu vois que, hop là, au passage, tu vois ce qu'il y a ici. Donc tu vois que ça mène à rien. Sur une pièce où pareil, tu vois des petites pointes de tout, enfin des petites pointes machin et tout. Et ça mène sur une pièce au bout, il y a un. Même ça ne me dit pas comment désactiver les pièges. Ouais. Bah, il n'y a pas de moyen de désactiver. Là, il n'y a aucun moyen de désactiver ces pièges. D'accord. Okay, est-ce que je vais voir quand même pour voir s'il y a quelque chose à trouver dans la pièce. Tu pourrais essayer de voir s'il y a quelque chose à voir. Hein. Ouais, je vais aller en volant. Ici, hein. Donc toi, tu vas en volant. Donc moi, je suis un homme oiseau. Un homme café, d'accord. Tu n'actives pas les pièges. Et tu vois que, en fait, ici, donc tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. Ouais, 19 et 5. 24. Pas mal ça. En fait, tu vois que le mur est une porte en fait, mais qui a l'air d'avoir un mécanisme pour l'ouvrir. Et tu vois que tu as pareil une espèce de petit loquet qui peut se tirer vers le haut, enfin du bas vers le haut. Ah, j'ai une bonne nouvelle, le mur c'est une porte, il y a un loquet, j'ai une mauvaise nouvelle, du coup, pour y aller, je vais voir s'il n'y a pas de piège. T'as moyen de me porter C'est plus je suis un alpha, hein, c'est très léger. Mais... Bah, essayons. Et moi, tu peux porter Non, la réponse c'est non, pour toi, non. C'est pour porter Kirkop. Hein. Ouais. Bah fais-moi un jet de force. Hein. J'ai athlétisme, en vrai athlétisme, tu pourrais utiliser athlétisme. C'est jet de Dex normalement, parce que moi je remplace mes jets de force par mes jets de Dex. Bah utilise acrobatie. 25. Oui, sans souci. Ok, bon, bah, du coup il m'amène devant le mur et je vais faire un jet d'investigation pour comprendre le mécanisme. Ça nous fait 19. 19, t'es en train de regarder, mais tu trouves pas de truc en particulier. Okay. Donc ça s'ouvre Je sais pas. Bah je te ramène, parce que si jamais je prends des dégâts et que tu tombes, en plus... Non, c'est clair, bien sûr, c'est clair. Je le ramène. Donc je le ramène, j'y retourne, et je vais ouvrir la porte. Alors en fait, c'est un mur où il y a l'air d'avoir un truc pour l'ouvrir, mais c'est quoi en fait, tu sais pas... Ah, j'croyais qu'il y avait un loquet. Il y a le loquet, ouais. Moi je voulais juste savoir s'il y avait un piège en fait. Non, il n'y avait pas de piège en tout cas. Pas de piège en plus. Donc, hop là. T'as un deuxième mur. Hop là. Et effectivement, t'arrives face à un deuxième mur. Ici. Ou pareil, tu peux faire un jet de perception si tu veux. 16, et ben plus 5, 21. Donc tu vois, pareil, sur ce mur, que en fait, au bout d'un moment, t'as une charnière en fait au sommet. Une petite charnière en fait que tu pourrais tirer. Attends. On fait pareil non. Si tu tires ça, il va se passer une dinguerie. Du bas vers le haut, pas du haut vers le bas. Ouais. Du bas vers le haut, ça marche pour l'instant, mais... Ouais. En tout cas, je peux t'amener pour que tu... Ah, tu peux m'amener pour que je fouille la fois. Je vais l'amener pour voir s'il y a un piège. Ok, bon, je vais pas déplacer le token à chaque fois. Non, bien sûr. Fais-moi ton jet d'investigation. 26. Alors, tu vois que si tu le fais, ça va effectivement ouvrir, mais par contre, effectivement, ça va activer les pièges. Tous les autres ? Tous. Même dans cette pièce, il y en a ? Dans toutes les pièces. Là, par contre, c'est piégeable. On est d'accord ? Est-ce qu'on a moyen d'attacher une corde à la charnière ? De la tirer délicatement vers la sortie et puis de tirer dessus pour déclencher les pièges. Bien sûr, c'est une bonne idée. Ok, je fais ça. Donc je le ramène, ouais, je retourne, je mets une corde, je vais délicatement jusqu'au bout et après, vas-y, tire. Je me mets bien. On se planque bien. Dans l'ombre pour pas. Vous ne mettez pas, j'imagine, devant la porte. Toutes les pièces. Donc vous Non, toutes les pièces, vous avez vu les pièges.
Ouais. Vous mettez là, en fait, et c'est vous ça. Tirez en fait, sur la petite charnière. Et avant de faire ça, est-ce que vous voulez pas qu'on essaye de regarder l'autre porte? Ah ben non. Du coup, non, je préfère pas ouvrir s'il y a quelque chose qui combat. Je préfère laisser... On réveille pas le chat qui dort. Ouais, mais là, pour l'instant, le chat qui dort, c'est la porte que tu veux ouvrir qui va activer tous les pièges. On peut aussi essayer de regarder l'autre porte, à quoi ça mène, s'il y a des pièges, s'il y a des choses. Parce que de toute façon, c'est qui t'a activé tous les pièges. Là. De toute façon, ça va détruire un truc derrière, l'autre porte qui pourrait nous être utile. Ou... On n'est pas pressé. La corde, elle est posée. On n'est pas pressé de la... On peut faire l'autre porte. Ok. Ok. Du coup, on referme l'autre, au cas où. Ah oui, par contre, on referme l'autre. On la referme, on a tiré une corde. La corde, elle dépasse de la porte. La porte, il y a... C'est fin, oui, considérable. D'accord. Ok, passons, ça marche. Vous tirez, du coup. Non. Non, du coup, on laisse. Non, du coup, on laisse. Et puis maintenant, on va ouvrir l'autre porte. D'accord. Donc avec les investigations qui vont bien avec. Oui. Allez, c'est parti. Ah, tu avais déjà investigué, c'est... Ah oui, c'est vrai. T'es toujours en détection de la magie, toi? Est-ce qu'il est toujours actif, mon détecteur? Je le vois. Je pense que ça fait plus de 10 minutes. Ouais, pas. Il est possible que ça fasse plus de 10 minutes. Je considère que tu peux le relancer, t'as pas de magie. Ok. Mais il alors a... après, attention, hein, parce que... Là, il a pas de sort... S'il y a une chronologie, à chaque fois qu'il invoque un rituel, c'est 10 minutes. Ah, moi, ça me dérange pas, je regagne un des 6 toutes les 10 minutes, donc moi, ça me dérange pas. Donc, oui, mais, on le fait en rituel. Je le lance en rituel. Oui, vous pouvez le refaire en rituel. Bon, bah, du coup, je gagne 2 des 6. Et depuis le combat, il y a combien de temps qui est passé? Ouais, c'est ça. Depuis le combat, il y a combien le de temps? Le temps que vous rentrez du combat, machin et tout, fassiez ça, t'en investiguez et tout, je dirais qu'il y a à peu près 10 minutes qui sont passées. Bon, donc 1 des 6. Non, plus son rituel, 2 des 6. Plus son rituel, 2 des 6. C'est bien ça. Je regagnais un peu parce que j'avais mal. Je vais regagner un peu. T'as pris une petite balle. Du coup, en fait, vous entrez dans cette nouvelle pièce. C'est une fois qu'il a regardé, s'il n'y a pas de piège. Il y a pas... Alors, je te dis, c'est une bonne idée. On écoute le MJ. Du coup, il y a pareil, plein de petits trous, machin et tout. Donc tu ne rentres pas. Mais il y a. Au sol, toujours pareil, c'est le même principe. Dès le moment où vous allez entrer, si vous y allez avec un pied dessus, ça tire. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre piège. Et vous avez une porte. Ici. Ok, bah on va essayer. Je vais t'amener en vol. Ouais. Et puis tu vas regarder. Ouais. Hop, hop. Je comprends pourquoi il fallait quelque chose qui vole. Parce que sinon. Alors. 25. Pas de piège sur la porte. Ok. Je te redépose. Il y a un mécanisme, quelque chose? Tu le redéposes où? À l'entrée. C'est génial. Non mais tu sais jamais ce qui va se passer, donc autant que je sois tout seul à prendre ce qui va sortir. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de mécanisme ou... Pareil, ça se lève comme ça. C'est tout. De bas en haut. Ah ok. Ouais. Allez, open. Pareil, nouvelle pièce. Avec plein de petits trous, même principe. J'avance en volant. Voilà, t'avances au volant. De nouveau une porte, même principe. Là, je vais faire un check. Pareil. Échec critique. La porte est piégée. Oh, bon, bah, on fait demi-tour, les gars. Ou attends. Si elle est piégée, tu peux peut-être la désamorcer. Oh, ça va être drôle, ouais. Tiens. Tu as un échec? Bah non, justement. Je vais essayer de désamorcer le piège. En fait, lui, il sait pas qu'il a fait un échec critique. Pour lui. Je vais s'exprimer avec des activités qui existent pas. Mon escamotage, je fais 16. 16? Ouais. Vous le voyez bidouiller cette porte. En plus, ça prend du temps, parce qu'il pense qu'il est piégé. Puis, au bout d'une demi-heure... Il dit qu'il a pas réussi à désamorcer ses pièges. Non, il se rend compte qu'en fait... Juste le... Elle s'ouvre. Une demi-heure, 3d6. Perds pas le nord. 4 et 4. Du coup, vous arrivez de nouveau dans une pièce. 14. Avec de nouveau une porte. Dis donc, heureusement que t'es là pour désamorcer les pièges. Désolé, ça a pris un peu de temps. Et tu sais, du coup, que je me moque. Mais c'est gentil, mais c'est me moquer. Parce qu'en fait, je parle tous les langages. Et les hommes oiseaux, ils ont toujours une trille, quelque chose, à la fin de leur phrase, pour donner un accent à la phrase. Okay.
Donc c'est moqueur. Allez, investigation suivante, 17. Ok, j'ai une porte qui s'ouvre comme ça. Super. Bon bah je le redépose puis j'ouvre. J'y vais. Et voilà, vous arrivez face à ça. La porte. Donc en fait, vraiment, vous voyez le truc qui tourne et qui vous emmène sur une porte. Mais vous vous dites, bah, c'est bizarre, il y avait un mur de l'autre côté. Ouais. Bah, est-ce qu'elle est piégée ? Non, bah, c'est surtout s'il y a. Est-ce si que moi, du coup, de l'autre côté, au niveau du mur, l'autre. Je peux faire ma fusion avec la pierre pour voir s'il y a vraiment un espace entre les deux ou si. Si on voit une autre travers, on voit la porte. Tu fais fusion avec la pierre à ce moment-là. C'est ça que tu veux faire, c'est ça ? Tu fais fusion avec la pierre. En fait, tu vois effectivement que. Bah, il y a une porte. Il y a une porte, ouais. Donc en gros, c'est une salle qui me fait tourner en rond. Juste pour prendre des pièges. Tu peux regarder au plafond s'il y a un truc ou quelque chose comme ça. Je peux regarder au plafond. Et toi aussi d'ailleurs, t'es dans mon bras. Il y a un plafond. Ouais, il y a rien quoi. Ah mais attends, mais oui. Peut-être. Bah du coup, ce serait l'autre passage en fait. On va tirer sur la corde. En fait, si on ouvre la porte, elle était piégée. De toute façon, j'ai peur que ça nous télépé. Non, mais on sait que cette porte est ménagée. À un moment donné, on va pas jouer avec le diable, quoi. T'en sais rien. C'est pas parce qu'il y a un mur de l'autre côté que la porte elle ouvre pas sur quelque chose. Ouais. Hein. Peut y avoir c'est un portail. T'en sais rien. Mais s'il y a un portail, j'ai pas envie de le franchir. Parce que l'arche, c'est peut-être ça, l'arche. C'est ça. Mais s'il y a un portail, j'ai pas envie de le franchir dans tous les cas, les gars. C'est pour ça que cette porte-là. N'oublie pas qu'on cherche. Pour moi. N'oublie pas qu'on cherche à aller dans une pièce hyper secrète. Où il y a la liche, on sait pas où elle est. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'Elim me disait du bas vers le haut et qu'on a trouvé un truc au plafond qui est en haut, du coup. On a attaché une corde, on va tirer sur la corde et on va voir ce qui se passe. Bon. On laisse ça là. Mais cette porte-là, pour moi, on la laisse tranquille, c'est un piège. Je vais bien examiner quand même. L'effet de masse. Ouais, examine, ça se trouve, ça, on va voir que ça déclenche ou pas un piège. C'est pour soigner tout le monde. Et ça soigne beaucoup ? Ça soigne pas mal, ouais. Je pense que. Que vous êtes tous pas spécialement avec beaucoup de PV. Donc, sauf moi. Il n'y a que lui en fait. Non, il n'y a que. Non, il reste plus que moi. Il n'y a que Kirta. Je croyais que toi aussi t'avais pris. J'ai pris 15 de dégâts. Je suis à 60 de PV. Ah, moi, il me manque 60 points de dégâts. Si je te fais un. Ça va pas très bien. Peut-être que tu fasses un soin unique. Oui. Bah ouais, mais pour les soins uniques, ils ne pas beaucoup. Là, tu peux me lancer un. 3D8 plus ton modificateur d'incantation. Tu peux le lancer à un niveau plus élevé. Le cure wound classique, si à partir de quel niveau je peux augmenter le nombre de points de vie que ça. Si à chaque fois tu le augmentes d'un niveau de sort. Ah, mais ça veut dire que tu claques un niveau de sort supérieur. Oui, bien sûr. Ouais, tu vois, cure, c'est pas intéressant. Le cure wound, il est pas. Enfin, t'as pas le heal normal. Non, mais je suis pas prêtre. Hein. Ah, t'es druide. Ah oui. Ouais. Par contre, note peut-être à côté ton 3D8 plus le modif. Ouais, comme ça tu sauras Master Wound, c'est 3D8. 3D8 plus ton modificateur d'incantation. Comme ça tu vas le. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Il y a dissension dans le groupe. Moi je serais d'avis de pas trop la toucher. Ouais, cette on est 5, les gars, un vote ça va vite. Ouais, moi je serais. Mais ça va vite, vous êtes déjà deux à dire que vous voulez pas toucher la porte. Moi je m'en fous. Donc voilà. À moins que l'un de vous deux ait vraiment envie d'ouvrir cette porte, on moi, mon avis, c'est on s'est emmerdé à installer une corde. Faut pas essayer. Oui, non, mais là, on parle de cette porte-là, que t'as fait passage dans la pierre et que t'as vu que c'était une porte. Ah oui, c'est on sait que la porte, elle donne sur une pierre, c'est bon. Moi, je suis d'avis d'aller tirer la corde. De toute façon, ça, c'est un piège à neuneux pour que tu prennes tous les pièges pour arriver sur une porte qui donne sur un mur, quoi. Voilà, c'est tout, on a compris, on s'en va. Si tu tires sur la corde, je vais peut-être me remettre dans le couloir. Oui, moi aussi. Ah, mais de toute façon, on va tous dans le couloir principal. C'est ce qu'on avait dit. Ok. Voilà. Donc, j'imagine. Attends, mais ouais, dans le couloir principal, j'imagine. On rouvre la porte. Tête de Diablotin, elle balance un truc. Celle-ci. Non, on voilà. Dans le petit couloir qui est là. Ouais, dans le petit couloir. Ah non, on entre-ouvre la porte, juste pour pouvoir tirer la. Ok, et vous tirez. C'est ça. Ouais. Ok. Au moment où vous tirez. Vous entendez ? Ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais ? Non. Ouais. Bon, bah voilà, piège à con aussi. Ça sent le piège à neuneux, hein, effectivement. Après, vous entendez une porte s'ouvrir. Ah, et on va lâcher la corde du coup ? Est-ce que je peux faire un jeu de perception pour déterminer où ça s'est ouvert ? C'est. Bah, oui, donc, enfin, de toute façon, vous le savez,
c'est au niveau de là où est-ce que justement il a tiré, la petite charnière, ça a ouvert une porte. Mais par contre, maintenant ça tire en continu. Ah, mais et si je lâche. Bah, faut. Bah... Ah, ça tire en continu. Ah oui, ça s'arrêtera plus. Okay. En fait, il faut être devant, t'appuies, et hop, voilà. Tu et... passes. Mais là maintenant, sauf si on trouve un moyen de. C'est chou. Enfin, de désenclencher le piège, je vois pas bien comment on peut faire. Et en plus, est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps là-dessus? On sait et pas. Est-ce que. Ah non, mais non, parce que moi je. Ah. Je peux pas aller dans le couloir. Attends, si, toi tu fais le passage dans la pierre. Mais moi, tu pourras pas me porter. Mais non, mais. Ah, mais tu passes dans le mur. Mais si, je peux te porter. Tu peux me porter? Mais t'as pas effectivement, j'avais comme idée, moi, de passer à travers la pierre. Tu passes le mur là, tu vois ce qui s'est ouvert. D'aller. Bah là, je peux passer comme ça? J'ai pas une limite d'épaisseur? Bon, regardez, c'est quoi? C'est façonnage de la pierre? C'est. Ah si, c'est bien ça. Pour voir ce qu'il y a derrière. C'est passage sans trace. Quoi? Non, c'est pas passage sans trace. On appelle ça fusion avec la pierre. Fusion avec la pierre. Fusion avec la pierre. Vous pouvez lancer passe sans trace une fois par autonome. Vous pouvez faire un zone. Alors, une fois par autonome, tu l'as déjà utilisé, mec. Ou sur une fière. Non, et après, je vais avec mon bâton illimité. Ah, ok, là-dessus. Vous pouvez utiliser un mouvement pour quitter la pierre à l'endroit où vous y êtes entré. Mmh. Ouais, donc c'est ça. Vous ne pouvez pas vous déplacer autrement. Ça, tu rentres dans un mur qui reste. Ah, c'est juste pour me cacher, genre. Alors, si vous voulez. Passage sans trace, c'est quoi? Ce que je peux faire, moi, j'ai une capacité qui est que pour 4 points de ki, je peux devenir invisible et invulnérable à tous les dégâts sauf la force, invulnérable à tous les dommages pendant une minute. Pour 4 points de ki? Ouais. Bah ouais, mais le problème, tu peux aller voir ce qu'il y a derrière. Tu vas arriver, t'es invulnérable, ça va quand même te pousser, tu vas perdre du temps. Oui, c'est des flèches. C'est des flèches, je prends rien. Ah. Puis je vois ce qu'il y a derrière. Vas-y. Tous les dégâts. Sauf les dégâts de force, mais c'est des fléchettes. C'est pendant combien de temps ton truc? Une minute. Alors c'est parti. Tu auras le temps de faire l'aller-retour. Ouais. Alors, initiative, donc juste avec toi du coup. Donc, ton déplacement c'est de combien? 9 mètres. Mon déplacement 24 mètres. Vas-y. En vol. 24 mètres. Hop, donc il n'y a pas de souci. Tu arrives ici, tu n'as fait même pas la moitié de ton déplacement en fait. Donc on est à 3 secondes du coup. Tac. Donc tu arrives ici, donc effectivement le mur bah, il s'est ouvert. Hein. Donc tu peux même aller jusqu'au bout ici, je pense. Ouais. 13. 10. 23. Donc là on arrive. En double mouvement, je suis déjà là. On est à 6 secondes. Ok. Donc t'arrives ici. En arrivant ici, fais-moi ton test de perception, s'il te plaît. 15 et 5, 20. 20. T'as une petite truc tout en bas à droite qui a l'air de coulisser vers eux. Je le fais, je l'ouvre. Ah bah là, je peux pas aller le chercher. Hein, donc, oui. Donc ça, c'est ton action, du coup. Ouais. T'as fait ton déplacement. Ton action, c'est de faire ça. Ouais. On a 12 secondes. Tac, t'arrives ici. Donc bah là, on va dire que c'est fin de ton tour. Ouais. Donc ça fait 12 secondes. Donc tu te fais tirer dessus, mais ta résistance ouais. Ou t'es. Et c'est immunisé à tous les dommages, sauf la force. Ok, bah, vous voyez qu'il se prend. Enfin, ah non, il se prend. Genre, il se prend plein de flèches comme ça dessus, il est en mode. À la foutre. Perception. Ah, c'est moins bien. 10 et 5, 15. 15, t'arrives face à un mur et un mur. J'essaye de trouver, je sais que quelque part en bas ou quelque part en haut, il y a quelque chose. Tu fais ton test de perception. Ouais. Donc t'arrives là et en fait pour toi, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Je vais repartir. Et puis t'es immunisé, t'as large temps d'une minute de revenir. Et il n'y a aucun moyen d'empêcher que ça continue à tirer. Ça tire, ça continue. Et mettre une pierre dedans, ça le boucherait pas? Aucun moyen de bloquer le piège. Je pense que c'est un piège à nœuds aussi. Au bout d'un moment, on arrive et hop, c'est fini, il n'y a plus rien. Puis de toute façon, comme je suis seul à pouvoir y aller. Pour nous, tu nous dis qu'on arrive, t'arrives face à un mur et t'as rien. Donc...
C'est comme lui quand il a fait son fumble. Hein. Ouais, et puis vu tout ce qu'on a eu depuis le début, que ça soit un piège à neuneux. Ça va pas s'acharner, tu nous donnes une info comme quoi il n'y a rien. Allez, pas de bol, hein. Donc vous refaites demi-tour, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, faites demi-tour, donc vous retournez dans le long couloir, où vous avez, comme je vous l'ai dit toujours, au bout, hop, la tête de diable et le voile. On ne sait toujours pas s'il y a des pièges passés cet endroit-là, parce qu'il n'a pas fait, il n'a pas vérifié. Si, on allait jusqu'au... Si, il est allé jusqu'au bout, je crois. Vous êtes allé jusqu'ici. C'est ça, je t'ai dit, il n'est pas allé jusqu'au bout. Ah bon ? Non. Non, parce qu'on s'était arrêté là. Alors, comment il a pu voir qu'il y avait des pierres, une jaune, une... Ça se voit. Il était... Parce qu'il était là, à peu près, en fait. Il était là et en gros, il avait vision sur le voile. Il avait une vision. C'est ça. D'accord. Okay, okay. En fait, moi, je me souviens qu'on a passé le piège, on a vu le plaquage en plâtre et on l'a cassé. D'accord. C'est tout, mais... Donc, nous comptons sur toi. Mais on avait... Ouais, ok. Mais de toute façon, j'avais avancé, on était allé au bout de la pièce et j'avais désamorcé tous les pièges. Oui, pour moi, t'as été... Et après, on a fait demi-tour. Après, moi, j'ai fait demi-tour et j'ai dit qu'on essaye de péter. Bon, le maître de jeu, il dit qu'il a fini. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va continuer. On va avancer vers. Moi, je propose qu'on avance vers le. Oui, c'est vrai que des Moi, j'y vais en vol. Hein. Ouais, je vais faire un jet. Enfin, moi, je veux bien faire les jets de perception si vous voulez, mais de mémoire, j'avais des avancées de deux pièges entre là et là-bas. Ouais, je suis d'accord. Voire même au total, dans ce couloir, j'ai des avancées de trois pièges. Alors, dans quel ordre est-ce que vous y allez et où est-ce que vous êtes? Mais moi, je vais rester derrière. Hein. De toute façon, vu que je les rejoins très très vite s'il y a besoin, ou moi je couvre les arrières. Ça permet de couvrir les arrières et de couvrir l'avant s'il y a besoin. Toi derrière ensuite. Moi, je passe devant pour chercher tout ce qui peut être piège et compagnie. D'accord, ensuite. Je me mets juste derrière lui. Ok, Tom. Toi, t'es là, Max. Il faudrait que le druide soit pas loin de moi, voire à côté de moi pour. Pour détecter la magie. Non, on va le mettre là. Et le barbare ici, du coup. Ok. Fais-moi ton jet de perception. 30. Il y a un piège juste ici. De nouveau une trappe. Ok, bah, je vais la bloquer. Enfin, je vais essayer en tout cas. 28. Pas de problème. Tu bloques la trappe sans souci et vous pouvez continuer à avancer. Jusque là, tu me refais un dernier test de perception, s'il te plaît. 31. Ouais, ok. Ici, il y a de nouveau un piège. Donc pareil. 29 pour des avancées. Ok. Donc tu le bloques, en fait. Ouais. D'accord. Et donc, tous les pièges sont bloqués dans le couloir. Et vous arrivez donc face à ce voile et cette tête de diable, sachant que tu m'as fait une belle réussite. Au niveau du sol, donc au niveau du petit chemin en fait, tu vois au bout d'un moment qu'il y a un message. Donc il y a un message qui est inscrit en runique et en minuscule. Acerirak te félicite pour tes facultés d'observation, mais ne te réjouis pas trop vite. Quoi que tu fasses, au bout du compte, tu seras à moi. Retourne au tourmenteur ou passe sous l'arche. Et le second grand hall, tu découvriras. Du vert, tu devras te méfier. Mais la vraie couleur de la nuit est réservée aux plus valeureux. Si les nuances de rouge sont synonymes de sang, le sage n'a nul besoin de sacrifice, mais d'une boucle de métal magique. Tu es sur la bonne voie. Deux fosses sur ta route cachent une chute favorable. Prends soin d'examiner le mur. Ces clés-ci, comme ces clés-là, sont cruciales. Méfie-toi des mains qui tremblent et des choses qui font mal. Si tu vois le faux, tu trouveras le vrai et déboucheras dans la salle aux colonnes où le trône est à la fois clé et serrure. Des hommes de fer à la mine sévère en font plus qu'il n'y paraît. Tu es gauche, si gauche, mais tu as trouvé ma tombe et ton âme y périra. On va peut-être faire un jet de... Je vais en commencer. On va faire un jet de perception peut-être sur la tête. Mm-hmm. 25. C'est une tête de diable. Une gigantesque tête de diable avec la bouche grande ouverte. Et vraiment, en fait, à l'intérieur de la bouche... Ça s'éteint ?
Et à l'intérieur de la bouche, vraiment, bah, vous ne voyez absolument rien. Ouais, c'est pas de faire, en gros, c'est pas voir ailleurs, quoi. Tu vois, c'est juste, tu vas se retrouver, on va se retrouver dans un champ. Tu dévoiles du verre, tu devras t'en méfier. Le vrai couvert de la nuit est réservé aux plus malheureux. Ça peut être, pour moi, tu passes sous l'arche et t'arrives dans les passages qui mènent jusqu'à lui. Hein. Je suis sûr qu'il faut passer sous l'arche pour arriver dans les passages secrets ou qui mènent à lui. Bon, je vous rappelle, l'arche, vous avez donc cette grande arche avec une petite lumière en bas à gauche qui est jaune, une petite lumière en bas à droite qui est orangée et une lumière en fait en haut à 2 mètres qui est bleue au niveau de la tête de la voûte. L'arche, elle est là. Et la tête de diable, elle est là. Donc, à gauche, l'arche, en face, la tête de diable. Mm-hmm. Est-ce que je peux investiguer sur le mur de droite qui fait exactement, enfin, qui s'oppose à l'arche? Bien sûr. Ouais, plus 7. Élu. 12. Parce que. Moi, ce que je vois, deux fausses sur la route qui cachent une chute favorable. Ces deux fausses, ça peut être ces deux pièges, la tête et l'arche. Deux petits points, prends soin d'examiner le mur. Bah, si le mur, c'est celui qu'on a cassé. Ah, il nous a servi à rien. Bah, si. Si, on a récupéré l'ennemi. Dans le collier. Ouais, et le collier. Ouais, ça pourrait être ça, vous pensez? Une boucle de métal. Regarde, ces clés-ci, comme ces clés-là, sont cruciales. C'est peut-être les gemmes. Méfie-toi des mains qui tremblent et des choses qui font mal. Passage, juste, vous avez le donjon qui commence à trembler. Ouais. Et comme une impression en vous, que vous avez un temps limité. Alors, ce qu'on va faire, c'est instantané. Si je fais un switch de personnage, on perd du temps. Non, c'est instantané. Enfin, c'est instantané, vous perdez du temps. On est à côté de la porte. On est à côté de la porte, là. Tu veux que j'aille te chercher ton autre perso? Ouais, je vais prendre l'occultiste parce qu'il va me permettre de voir dans les ténèbres. En gros, à partir de maintenant, vous allez avoir un temps. Et si vous n'arrivez pas à finir le donjon dans ce temps imparti, en fait, le donjon va disparaître. Donc, lui, grâce à ses manifestations occultes, il peut voir dans les ténèbres. Alors, voir dans les ténèbres, c'est quoi exactement? Il voit quoi? Alors, tac. J'ai vision de sorcier, vision du diable, vision occulte. Ok. Ça te permet de voir dans quel type de ténèbres. Et tous les ténèbres, c'était les ténèbres magiques, les ténèbres magiques et ténèbres magiques. Mmh. Je vois tout. Fais-moi un jet d'arcane avec avantage. Arcane. 16. T'essaies de voir dans ces ténèbres, donc j'imagine la bouche de diable. Ouais. Donc, tu n'arrives même pas à voir à l'intérieur. Et tu essaies de comprendre pourquoi. C'est trop compliqué. Tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est. Est-ce que je peux faire le même procédé par rapport au voile de brume de l'arche? Tu peux, mais tu vois en fait que le voile de brume, vraiment, c'est de la magie pure. C'est sûrement effectivement un portail. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il va vous emmener à un endroit précis? Est-ce qu'il y a un truc à faire avant? C'est ça la vraie question. Oui, on voit est-ce que sur la lumière, il y a moyen de poser quelque chose? Dans la lumière, il y a... Alors si tu approches ta main de la lumière, ouais. Tu vois que la lumière se... En fait, en gros, quand tu la touches, ça fait... La lumière prend plus d'intensité. Comme si elle zoomait un peu. Et est-ce que je peux essayer de... On peut essayer de déplacer... Alors, vous ne pouvez pas les déplacer, mais quand vous posez votre main dessus, en fait, ça fait... Ça reste... C'est ce qu'on avait dit. Orange, on va essayer d'activer bleu et jaune. Dans ce je vais faire ça. Ouais. Orange, pour aller chercher bleu, jaune. Ok, donc tu fais vous, ça s'allume, vous, ça s'allume, et vous. Le portail prend une espèce de couleur différente. Ne me dis pas que c'est du vert. Du vert, tu te méfies. Et le rouge à la couleur du sang. Tu devras te méfier, mais la vraie couleur de la nuit est réservée aux plus valeureux. Si les nuances de rouge sont synonymes de sang, le sage n'a plus besoin de sacrifice ou d'une boucle de métal magique. Tu es sur la bonne voie. Si c'est du rouge, potentiellement ça peut être bien, il nous faut la boucle de métal magique. Si c'est du juste, vert, elle prend, elle, c'est, enfin, ça prend.
Ah, juste elle est un peu plus intense, mais elle change pas de couleur. Elle est aussi j'aimerais que tu disais un peu plus d'intensité. D'accord. Moi, c'est le chute favorable qui me... Faut peut-être aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la fosse. C'est marqué un cache une chute favorable. Mais seulement deux. Et on a mais il en a trouvé deux. Plus que deux, depuis le début je du... Je crois que j'en ai trouvé quatre, on dirait. Ouais. Sur les 4, il y en a 2. Il y avait combien de fosses dans le couloir ? De quoi ? Il y avait combien de fosses dans le couloir ? 5. 5 fosses. Moi, je dis qu'il faut les ouvrir et puis que j'aille voir chacune d'entre elles. Je pense que ça me paraît. Alors, que j'aille voir en acrobatie, on est d'accord. Hein, avec une corde en plus pour m'attacher. Mais... Ah, comme tu voles, t'as pas spécialement. Ah non, là, je vais pas voler dans un espace. Ouais, du coup, vous voulez ouvrir les trappes pour aller voir ce qui se passe en dessous. Les unes après les autres. Ouais. Alors, dans quel ordre vous voulez faire De la dernière à la première ou de la première à la dernière? Je vais commencer par observer les murs autour des chutes. Parce que autour des fosses, c'est d'accord qu'il y a des fresques sur les murs. Ouais. Elles racontent quoi les fresques déjà? Est-ce qu'il y en a qui... Je peux faire un jet d'intelligence investigation pour voir si je trouve un lien entre les énigmes qu'on a trouvées, les fresques et les fosses. Tu peux le faire, si tu peux faire si tu veux. Vas-y. 25. Donc en fait, au niveau de la dernière trappe, tu vois que ça fait comme un atelier de magicien, en fait, au niveau des fresques. D'accord. Et tu te dis que s'il y a, par rapport aux fresques, s'il y a quelque chose dans une trappe, ça serait potentiellement celle-ci, donc la dernière que tu as... Ok. Je vais suivre cet instant et je vais ouvrir la trappe et proposer à Greg d'y aller. Enfin, pardon. Il y a peut-être une boucle magique, l'atelier de magicien. C'est possible qu'on trouve quelque chose dedans. Magique pour passer le portail. Donc effectivement, en fait, au moment où tu vous dégagez la trappe, donc en fait, vous voyez qu'en gros, en bas, donc tu y vas, vois que c'est des pics. Enfin, c'est des faux pics. Et qu'il y a une espèce de galerie qui a l'air de s'enfoncer à l'intérieur du donjon. Il y a une galerie, rejoignez-moi. Bah, on n'a qu'à poser un piton, une corde et descendre. Je pense que... Je suis d'accord. Des pitons, logiquement, moi, je pourrais en avoir une. Moi, j'en ai. On a tout ça. Alors, du coup, en fait, vous allez vous enfoncer. Donc, je vais pas passer vos tokens maintenant, mais en gros, vous enfoncez dans la galerie. Donc, c'est plus simple pour certains que pour d'autres, hein, parce que c'est une petite galerie. Donc, forcément, l'or que tu galères un petit peu. Pareil pour toi, t'as la génésie de la Terre, donc pareil, tu galères un petit peu. Moi, je galère aussi. Hein. Donc, bah, toi, avec tes ailes aussi. Mais chacun votre tour, vous pouvez tous me faire un test de perception. Échec critique. 20 naturel. Donc toi Kartop, tu fonces, tu remarques pas du tout, tu t'avances. Du coup il va se passer quelque chose pour toi. 12. 12. 13. 13. 12. Il n'y a que toi en fait qui repère. En fait, ils avancent, donc ils suivent Kirtop, qui lui est en mode continue à avancer dans le boyau. Toi, t'es le dernier, tu galères un petit peu, et en fait, à ce niveau-là, donc au niveau où ça fait une espèce de bifurcation, tu vois qu'il y a un petit passage, un espèce de passage secret qui a l'air de. Comme une trappe, qui a l'air de mener dans une pièce. Stop! Arrêtez-vous! Du coup, Kirtop, toi, tu vas arriver ici. C'est un peu chiant. Vous avez une chance inexplicable qui sont tombés jusqu'au bon moment. Vous avez 3 points de chance chaque fois que vous... 3 points de chance ? Ok, je l'ai fait une fois, je relance moi. Et je refais un, hein, vas-y. Pierre Top, en fait, toi, t'arrives au bout d'un moment. Je vais utiliser deux fois. Je vais te taper ici. Il est tombé. T'arrives dans cet endroit, donc vous êtes encore dans le boyau les autres, hein. Donc vous voyez Kirtop qui descend en fait dans une espèce de salle où t'as 3 leviers.
qui sont vraiment face à toi et en mode position comme ça. Au milieu ? Ouais. Et tu peux soit les déplacer vers le haut, soit les déplacer vers le bas. Ok, je voudrais faire un test d'investigation pour voir si je repère quelque chose d'autre dans la pièce. Ils ont entendu quand je dis que j'ai trouvé quelque chose ou pas ? Bah en fait, Kertop il a fait un échec critique, donc oui, t'as entendu, mais Kertop est déjà trop loin, il est déjà descendu dans le fond. 30. Tu vois que tu peux baisser tous les trucs ou les monter, et juste t'as l'impression que le sol sur lequel t'es, il est pas si stable que ça. Je suis tombé là, c'est ça ? En fait, ouais. En gros, il est arrivé dans un truc et il y a comme une trappe qui s'est ouverte. Il est entré dedans. Donc vous êtes juste au-dessus en fait. Hein, mais il y a quand même, il y a 3 mètres de bas. Bon, on peut lui lancer une corde. Oui, vous pouvez lui lancer une corde, mais là, il est surtout concentré sur son truc. C'est son échec critique qui fait qu'il est concentré dans ce qui se passe dans cette pièce. J'ai trouvé quelque chose. Et vous entendez du coup derrière Kouka qui dit qu'il a trouvé quelque chose. Bah, je lui. Moi, je vais juste dire, les gars, il faudrait m'attacher, je vais essayer de les lever, mais... On peut tout à fait lancer une corde. Ouais. T'es beaucoup plus léger que nous, en fait. Tu veux lancer une corde, ouais, donc ouais. Il s'attache, c'est ça ? Ouais, bah oui. Ok, donc tu t'attaches. Tu fais quoi avec les leviers ? Pour l'instant, rien. le tapis de sol, là, c'est de la déco ou... C'est les fresques, en fait, au sol. Et les fresques, elles racontent quoi ? Rien de spécial. Enfin, pareil, des trucs avec des hommes rares. Oh, ok. Des hommes rares. Ah, donc des chimères. Et c'est le même genre de fresques qu'il y avait sur le passage qu'on a pris pour descendre. Ouais, c'est à peu près toujours les mêmes fresques dans ce style-là. Un peu style hiéroglyphe, un peu style pyramide. Ok. Donc là, tu veux qu'on te remonte ou pas ? Les leviers, ils sont en position milieu. Ouais. De bas vers le haut. Ouais, non, mais là on a dit c'est pas. C'est encore autre chose, mais. Je pense pas qu'on soit sur une ligne. Si tu vois le flot, tu trouverais. Je pense que c'est le colonne. Là, il y a pas... Et il est dans un endroit qui est très inconfortable pour lui. Non, mais pour les persos aériens, ce genre de perso, c'est un cauchemar, ce genre tu de. Tu peux pas marcher. Tu peux pas marcher. Si, mais en fait, eux, ils peuvent passer des jours, des semaines, des mois dans les airs sans se poser. D'accord. Et en fait, dans un endroit fermé pour ça, comme ça, c'est le cauchemar absolu de ces créatures-là. La voiture en train de venir. Il y a deux choses qu'ils aiment pas, les endroits fermés et la notion de propriété. Ouais, c'est comme une. Parce que pour eux, la notion de propriété, ben, l'air, ça appartient à personne. Donc, ils comprennent pas ce que veulent les autres en disant ça à moi. La salle elle est bien. Enfin, la salle il y a de la bonne couleur. Hein. Ouais, c'est du rouge. Enfin, c'est couleur pyramide. Imagine que tu es dans une pyramide. C'est donc, cette couleur là. D'accord, ouais, ok. Ouais. Et en tout cas, il n'y a pas la couleur de la nuit. Je vais vraiment une remontée juste. Hein. Ok, bon, tu remontes. Il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Deux fois sur ta route cache une chute favorable. Ouais, deux fois. Ouais, c'est là, on en a trouvé une. Pour l'instant, ça va être la deuxième. Tu vois, c'est là, ça pourrait. C'est là, effectivement, pourrait. J'imagine que vous rejoignez Kouka, donc qui. Ah oui, qui nous dit. Voilà. Oui. Donc, vous arrivez dans cette pièce. C'est un boyau. On va faire une petite pause, la vie de Def. On a 50 minutes. Petite pause, on revient tout de suite.